Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 28. Quelqu'un peut lire un peu? Je vis que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Amen. Ça, c'est la version de Serval. Ok. Et donc, on a vu que les Écritures nous apprennent que l'homme a été créé. Hein, que l'homme n'est pas le produit de l'évolution. Et comme on l'a suggéré, notamment par Darwin, il a parlé de l'évolution des espèces. Donc, nous savons d'après les Écritures, c'est... Voilà, l'homme a été créé, il a été créé homme. La parole nous dit Adam, veut dire terrien, homme, d'accord. Et on nous dit que le Seigneur a créé l'homme à son image. C'est quand même assez important de s'arrêter un peu là-dessus, là. Il n'a pas été créé comme un singe, mais il a été créé à l'image de Dieu, contrairement aux animaux, qui eux n'étaient pas du tout créés à l'image de Dieu. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'image de Dieu est une personne. Hein, quelqu'un rapidement va nous lire Colossiens chapitre 1er, verset 15. Donc là, nous avons Elohim, donc Dieu. Nous avons ici son image. Et puis, là, nous avons Adam, l'homme. Colossiens 1er, verset 15. D'accord. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, on apprend que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. D'accord. Donc, créons l'homme à notre image. Et donc, bien sûr, c'est Yeshua. Dieu s'est servi de son Fils comme un modèle pour former l'homme. Lorsque le Seigneur a décidé de former l'homme, il s'est servi de son propre Fils, Yeshua, notre Seigneur, comme un modèle. Et à chaque étape de l'évolution, hein, dans la formation de l'homme, le Seigneur, Dieu, il avait un repère et c'était son image, c'est-à-dire Yeshua. D'accord. Donc on voit bien que dès sa création, l'homme était parfait. Beaucoup de gens disent que l'homme, même beaucoup de chrétiens évangéliques disent que l'homme n'a pas été créé parfait. C'est pour cela qu'il a fait n'importe quoi. L'homme a été créé parfait parce que il a été créé selon l'image de Dieu. C'est-à-dire, le Père s'est référé à son Fils, Yeshua, qui à l'époque était encore un mystère. D'accord. Créer l'homme à notre image. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu, Yeshua, et Yeshua est Dieu lui-même. D'accord. Et ça, c'est vraiment glorieux. De voir à quel point l'homme a été créé parfait. Et on nous dit que Dieu les bénit, l'homme et la femme. Et Dieu leur dit. En fait, la première fois que la Bible a utilisé le verbe, le mot bénédiction, le verbe bénir, ça a un rapport avec l'homme. D'accord. Donc, la toute première fois dans les Écritures où l'on voit ce verbe-là, hein, il a été utilisé pour la première fois par rapport à l'homme, pour l'homme. Dieu les bénit. Et ça, c'est magnifique. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu, et il a été béni par son Créateur. Et les conséquences de cette bénédiction, il y en a plusieurs. Hein, la fécondité, d'accord, plus tard, plus loin, on le voit. Soyez féconds, la fécondité. Multiplier, n'est-ce pas? La prospérité, mais pas la prospérité financière, selon le monde. La paix, voyez, multiplier. Le fait de porter des fruits, remplissez la terre, n'est-ce pas? Et assujettissez-la,
et dominer, voyez, sur la création. Donc vous voyez que ce sont les bénédictions, les conséquences de la bénédiction que l'homme avait reçue de la part du Seigneur. La domination, la gestion des choses, le contrôle. L'homme devait avoir le contrôle sur l'homme avait le contrôle sur la création. Les animaux, quelle que soit leur taille, les animaux étaient soumis à l'homme. N'est-ce pas? Et ça, c'est magnifique. Et voilà les conséquences de la bénédiction. Donc, une personne qui est dominée est une personne qui n'est pas bénie. Or, les riches sont dominés. Donc, ils ne sont pas bénis. Donc, c'est là qu'on comprend que la bénédiction, c'est pas la richesse financière. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible nous dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, que... on va le lire rapidement. De Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc quand on regarde les riches de ce monde, ils sont triomphés par l'argent, ils sont triomphés par le sexe. Donc, ils ne sont pas bénis. Vous voyez? Il faut vraiment interpréter la parole de Dieu dans leur contexte. Et surtout, si vous voulez comprendre l'Évangile, il faut bien comprendre Genèse. C'est important. C'est un livre capital, incontournable en matière de la foi chrétienne. Parce qu'on voit les conséquences de la bénédiction. Et l'une de ces conséquences, c'est la domination. Dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons, sur tout ça. Dominer. Et l'homme est dominé par la création, l'homme est dominé par la chair, l'homme est dominé par la richesse, l'homme est dominé par le sexe. Donc l'homme n'est pas béni, le païen n'est pas béni. Donc il faut vraiment qu'on sorte de cette mentalité qui veut nous faire croire que la bénédiction égale billets de banque, dollars, tout ce que vous voulez. C'est faux. Ça, c'est Satan qui a introduit ça dans les églises. Donc vous voyez que l'homme était béni par le Seigneur et au verset 29, et Elohim dit... Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est dans la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Alors, vous savez, il y a quelque chose de fort ici. La nourriture de l'homme portait en elle la semence. D'accord? C'est Zera, semence, Zera. Zera en hébreu, qui signifie littéralement sperme. D'accord? Sperme. Voilà. Voilà, donc la nourriture que l'homme consommait avait de la vie. Hein? L'herbe avait en elle de la vie. Et quand l'homme consommait cette nourriture, c'est comme s'il recevait la vie en même temps. D'accord? Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, quand nous consommons de la nourriture, quand nous mangeons, la nourriture est tellement polluée, il y a tellement de pesticides, il y a tellement de produits chimiques, que ça produit dans les cœurs, dans les corps, toutes sortes de cancers, de maladies, tout ça là. Donc c'est la mort. Vous voyez, donc le monde est maudit. Les conséquences du péché, donc il y a la mort, il y a la malédiction, enfin il y a plein de choses. Voilà, donc même l'herbe avait en elle de la semence, donc le sperme, vous voyez. Comme quand une femme est, vous voyez, on sait, hein. Donc voilà, quand une femme est en contact avec le sperme, eh ben, il y a la conception, la femme conçoit, il y a la vie. Qui se met en place. C'est ça la nourriture de l'homme. Donc vous voyez qu'ils ont été bénis, l'homme et la femme, Adam et Ève. Dieu les avait beaucoup, ils les avaient vraiment bénis. Et au verset 7 de Genèse 2, on nous dit que Yahvé Dieu, d'accord, Yahvé Dieu, alors ça c'est magnifique, vous allez voir que, à partir du chapitre 2, on a ajouté à Elohim un autre nom de Dieu. C'est le tétragramme. D'accord? YHWH. Donc, le tétragramme qui a donné plus tard Yahvé. Mais je préfère plutôt garder ça comme ça parce que, voilà. Donc, pourquoi? Vous allez voir que du verset premier de Genèse 1 jusqu'à la fin du verset, donc tout le chapitre premier de Genèse 1,
on ne parle que d'Elohim, Elohim, Elohim. Mais à partir du chapitre 2, en fait, dès l'instant où on a commencé, où Dieu a décidé de former l'homme, il s'est révélé cette fois-ci maintenant en tant que Yahvé. Amen. Donc Yahvé est le nom de Dieu qui a un rapport avec la rédemption. Amen. D'accord ? Ça, c'est terrible. Tant que l'homme n'était pas sur la scène, Dieu ne s'était pas révélé en tant que Yahvé. Il fallait que l'homme arrive maintenant pour que Dieu se révèle à lui en tant que Yahvé. Et Yahvé, plus tard, bien sûr, donnera Yehoshua. L'homme, en même temps, homme et Dieu. Vous voyez, c'est quand même magnifique. Hein? C'est terrible. Comme quoi, le premier Adam était bel et bien l'image de Yeshua. C'est pas d'ailleurs la parole le dit. Hein? Donc, vous voyez. Donc, et ça, c'est terrible. Et on nous dit que Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. On l'a vu. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Dieu le forme, Dieu le façonne. Et il a formé corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. On a vu l'esprit, on a parlé de l'esprit, on a parlé de l'âme. Et on va parler du corps physique aujourd'hui. D'accord ? Donc le corps physique de l'homme, bien sûr, n'est rien d'autre que de la poussière. D'accord ? On le sait, hein ? L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Et ce qui a donné de la valeur à cette poussière, c'est le souffle. C'est tout. Alors vous vous rendez compte que nous allons beaucoup plus nous attarder sur la poussière et on néglige le souffle. On néglige complètement le souffle. Le souffle de Dieu. C'est-à-dire la partie spirituelle de l'homme qui va retourner à Dieu. Parce que le souffle qui a été, n'est-ce pas, accordé à l'homme, provient de Dieu, provenait de Dieu. D'accord ? Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Quelqu'un sait la trouver, peut le lire. Ecclésiaste 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, plutôt je dirais. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les femmes fortes se courbent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la carpe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les fleurs parcourent les deux. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Ok. Alors, c'est magnifique comment Ecclésiaste a décrit la chair ici, le corps humain, d'accord ? Et cette partie de l'homme que nous aimons tant, que nous aimons plus que la partie spirituelle, toujours de l'homme. Et Ecclésiaste dit ceci. En fait, il parle de la jeunesse. Il parle aux jeunes. Il leur dit, écoute, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache pour cela que Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends plus point de plaisir. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez voir le corps humain là, que nous avons, là, mes amis, le corps physique là, est vraiment de la poussière. C'est vraiment de la poussière. Quoi. Hein? On va d'abord parler du corps humain en tant que poussière, ensuite
on en parlera en tant que tente, tabernacle. D'accord. Ce corps en tant que poussière est appelé à, est destiné à la destruction, ça c'est clair. Et que vous le vouliez ou pas, ce corps est appelé à se détruire. Il s'auto-détruit au fil du temps. Qu'on le veuille ou pas, il se détruit. Vous allez voir que la vieillesse, c'est quoi la vieillesse, d'après les Écritures? C'est le retour à l'enfance. C'est une boucle qui se boucle. Hein, donc, voilà, on est né sans vêtements, on porte des couches, et quand on vieillit, ben, on revient à la même chose. La plupart du temps, quand on vieillit, hein, il y a une incontinence urinaire, tout ça, donc de nouveau, on est on porte des couches. Et puis on est né sans dents, et quand on vieillit, on perd les dents. Vous voyez, on est né en général sans cheveux, quand on vieillit, on perd les cheveux. Vous voyez, donc vous voyez que c'est le retour, hein, voyez, donc c'est une boucle, hein, qui est bouclée à chaque fois. Et c'est ça, la poussière que nous sommes. Vous voyez, quand on vient au monde, on ne sait pas marcher, et quand on vieillit, à un moment donné, ben voilà, les jambes que Ecclésiaste qualifie des hommes forts, finissent par, n'est-ce pas, se décliner et n'acceptent plus, ne peuvent plus supporter le poids du corps. Ces deux colonnes finissent par perdre leur valeur, leur force. Et les mains qu'ils qualifient de gardiens de la maison, donc, se mettent à trembler. N'est-ce pas? Donc, l'arthrose, tout ce que vous voulez, bref. Les dents, celles qui moulent, bien sûr, plus rien. D'accord? Alléluia. Amen. Et il dit, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, donc bien sûr les yeux, d'accord? Donc ben là, il faut des lunettes, et puis à un moment donné, et on ne voit plus rien. Voilà, c'est l'obscurité totale, l'obscurité. Et comme un bébé, à la naissance, l'enfant ne voit pas correctement. Vous voyez, donc, c'est un processus terrible. C'est ça le corps physique. Et on le sait, hein, mais on a besoin quand même qu'on nous le rappelle. Et où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Donc, les oreilles, bien sûr, hein, on perd un peu, voilà. L'audition, tout ça. Et puis, il dit où s'affaiblissent toutes les filles du champ. La vieillesse. Une vieille. Et c'est ça le corps que nous avons tant. On va vieillir, on va tout faire pour ne pas qu'il vieillisse, mais en fait, non, c'est bien. Et Ecclésiaste s'est dit au verset 8, avant que le cordon d'argent se détache, vous devez ça, vous le savez, il y a un cordon d'argent qui, n'est-ce pas, qui relie l'âme et l'esprit de l'homme au corps physique. D'accord? Et la mort, c'est quoi? C'est la coupure de ce cordon. Oui? Vous avez vu quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il s'alimente par le cordon ombilical, il respire non par ses propres poumons, mais par le cordon ombilical de sa mère, donc par le cordon ombilical de l'enfant s'alimente et respire. Donc il utilise les organes vitaux pratiquement de sa mère hein, pour pouvoir vivre par le cœur, le cerveau, mais sinon les poumons, tout ça, ben voilà. L'enfant profite de ces organes, notamment les organes de sa mère pour pouvoir respirer, manger. Mais par contre, quand il sort du ventre, on coupe le cordon et l'enfant devient indépendant. Et c'est l'image de la mort. C'est quand on sort du monde là. On ne peut pas sortir du monde et garder ce corps, ce cordon, ce lien-là d'argent, là, ce cordon d'argent. Quand on quitte le monde, là, la mer, notre mer, là, eh bien, le cordon est coupé, c'est la mort. D'accord? Et il dit, avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, donc le vase, c'est le corps de l'homme, hein, le vase d'or, c'est un vase, le corps humain, et se brise, et que le sceau se rompt sur la source, n'est-ce pas? Donc il n'y a plus la source de la vie, c'est fini. Et que la roue se casse sur la citerne.
Donc la vie est comme effectivement une roue qui tourne. Et il dit au verset 9 qui nous intéresse, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ça c'est terrible, hein? L'esprit humain, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, quand une personne décède, donc, il y a la séparation de l'esprit et du corps physique. Le corps, bien sûr, retourne à la terre parce que la terre le réclame. Mais l'esprit, par contre, retourne à Dieu. C'est-à-dire, l'esprit humain retourne au monde spirituel. Mais s'il n'était pas nourri, s'il n'était pas sanctifié, eh bien, il repart de l'autre côté. Il part de l'autre côté, en enfer. On va prendre un passage dans Actes des Apôtres, chapitre 8. On nous dit que l'esprit retourne à qui? L'esprit de croyant retourne à Dieu, n'est-ce pas? Actes chapitre 8. Chapitre 9, pardon. Ouais. Ok, non, excusez-moi. Acte 7, 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Bon, tu peux t'arrêter là, merci. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Donc, ce passage-là confirme bel et bien que Jésus est Dieu. Parce que l'Église nous dit que l'esprit retourne à Dieu. Amen. Alléluia. On peut remarquer que c'est ça. Un homme normal ne peut pas recevoir les esprits des hommes. Amen. Hein? Mmh. Voyez, je le lisais tout à l'heure chez moi, là, et le Seigneur m'a mis le doigt dessus. Waouh, ça m'a fait sur ce pied-là. Et vraiment, en tout cas, merci Seigneur parce que tu es Dieu. Donc, vous voyez, Étienne remet son esprit à Christ avant sa mort. D'accord? Et le Seigneur, sur la croix, il avait dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ah! Vous voyez? Donc, l'esprit, Yeshua, homme, a été récupéré par le Père. Et le corps de Yeshua, homme, a été enterré. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. Donc, il y a bien une vie après la mort. La partie spirituelle s'en va. Quitte la maison. Quitte le tabernacle. Son tabernacle. Donc, le corps physique. Mes amis, le corps physique. Et si nous sommes charnels, nous allons trop nous arrêter sur... Malheureusement, les hommes s'arrêtent trop sur le corps physique, sur les apparences. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas... Beaucoup de gens ne voient pas la gloire de Dieu. Parce que nos esprits, là, si tous nos esprits sortent de leur tabernacle, vous verrez qu'il n'y a ni blanc, ni noir, ni chaud. C'est incroyable. Ils sont tous pareils. Transparents, c'est comme du vent. Et les esprits des saints sont brillants. Vous voyez? Il y en a qui brillent plus que d'autres, en fonction de leur appel, de l'autorité, de leur vie de sanctification aussi, qu'ils ont vécu sur terre. Mais c'est la même chose, comme les étoiles. Vous voyez? Maintenant, Dieu prend un esprit, il le met, par exemple, comment ça se passe? Quand une femme conçoit, mais Dieu prend un esprit, il le met dans cette tabernacle. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça qu'il disait, j'ai réuni avant ta naissance, je te connaissais. Avant que tu sois formé devant de ta mère. Bah oui. Il était un esprit pris. Hop, allez, voilà. Alléluia. Amen. Et Dieu crée les esprits, il a créé les esprits. Hop, il leur donne des corps, des tabernacles. Allez, rentre là-dedans. Allez. Et quand ça rentre dans ces tabernacles, ça devient blanc, noir, marron, chocolat.
Et puis les enfants de Dieu, soi-disant, qui sont spirituels, s'arrêtent sur les apparences. Ah non, c'est un blanc. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah non, c'est un noir. Ah, forcément, c'est un sorcier, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Alors, le tabernacle. Nous sommes dans... le corps humain est appelé également tabernacle, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Si quelqu'un peut nous lire du verset 1 au verset 5. De Corinthiens 5, verset 1 à 5. Nous savons en effet que si cet temple où nous habitons sur la terre est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cet temple, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Amen. Ça, c'est terrible ce que Paul dit ici. Nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons, nous qui, ben nous, les esprits. D'accord ? Pas nous, les corps physiques. Là, c'est l'homme spirituel qui parle ici. D'accord ? Donc, ça veut dire que Paul le dit également dans 2 Corinthiens 4, 16, il dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il ne meurt pas. Non. C'est pour cela que les païens, leurs esprits ne vont jamais mourir. Ils sont immortels. Nous sommes immortels. Pas éternels, mais immortels. Il faut le savoir, il y a une différence. Dieu seul est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de début, il n'a pas de commencement de vie, ni de fin de vie. Vous voyez ? Mais nous sommes immortels. L'âme est immortelle, l'esprit humain est immortel. C'est-à-dire, dès l'instant où le Seigneur l'a créé, il l'a créé pour ne plus qu'il meure. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'annihilation. Voilà. Les esprits humains ne seront pas annihilés. D'accord ? C'est fort comme terme. Si on, voilà. Paul dit, si cette tente où nous habitons sur cette terre, donc Dieu a donné des tentes aux esprits que nous sommes pour que nous puissions mener une vie normale sur la terre. D'accord ? Et cette tente s'appelle le corps physique, ton corps physique. Et en tant que maison de Dieu, en tant que tente de ton esprit, il faut en prendre ses soins. Ah oui ? Tu vois, te permettre de manger n'importe comment, n'importe quoi. Vous savez, quand le Seigneur a donné, enfin, le Seigneur, pendant la traversée du désert de Sinaï, il avait donné des prescriptions aux enfants d'Israël, leur demandant, en donnant des ordres pour ne pas qu'ils consomment un nombre d'aliments. Ce n'était pas parce que c'était parce qu'en consommant du porc, d'aller en enfer. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils voulaient qu'ils soient, ils veillaient à leur hygiène, à leur santé. Vous voyez ? Il fallait que leur tente soit propre. Vous voyez ? Alors, ton corps physique est comme le tabernacle de Moïse, comme le temple de Salomon. C'est la même chose. Le Seigneur, dans Jean 2, disait, si détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtis, je le reconstruis. D'accord ? C'est terrible. Et les gens ont cru qu'il parlait du temple de Salomon, hein, de Zorobabel. Il parlait de son corps. Il l'appelle tente. Temple. Si les chrétiens comprennent que leur corps physique est vraiment le tabernacle de leur esprit humain, ils ne feraient plus n'importe quoi. Ils ne seraient même plus racistes, tribalistes. Vous comprenez ? Et parce que c'est que le temps. Quand on meurt, là, c'est fini, tout ça, ça reste. Après, dans le monde spirituel, il n'y a plus de différence, là, c'est fini, tout ça. C'est que les maisons. Comme les maisons que vous avez des appartements de 3 pièces, 4 pièces, c'est pareil. Et Paul utilise un terme, le même terme que Jean dans Apocalypse 21. Et Paul dit, il dit quoi ? Aussi gémissons-nous dans cette tente.
Bah oui, on gémit dans cette tente. L'esprit humain souffre. Dans cette tente. Bien sûr. Parce qu'il est comme enfermé avec la route du péché. Il est comme en prison. C'est une tente qui désire, qui veut tout le temps manger, qui veut tout le temps boire, qui veut tout le temps dormir. Vous voyez ? C'est ça le corps physique. Rempli d'impureté. Tout le temps, il faut se raser. Tous les jours, il faut aller au petit coin. Hein? C'est compliqué, hein, parce que la tente, elle est trop exigeante. C'est pas possible. On est fatigué, on se brosse les dents. Vous voyez ? Tous les jours, si tu ne le fais pas une fois, deux fois, c'est pas évident. Il se blesse, alors il faut des produits, il faut les ongles, ça pousse, et c'est toujours, il faut veiller. C'est ça le tabernacle. Il faut veiller à chaque fois, il faut veiller à chaque fois. Les cheveux, ça pousse dans tous les sens, alors il faut. Vous voyez ? C'est ça le corps de l'homme. Ouh, Seigneur, aide-nous. On a un cœur qui bat à chaque seconde, hein, il faut boum, boum, il faut soulever le rythme cardiaque, sinon c'est infarctus, tout ça. Là. Il est tellement faible, ce tabernacle, il est tellement fragile. Vous voyez ? Et il n'aime pas souffrir, attention, il est tellement frileux, il est tellement. Et Paul dit, nous gémissons, n'est-ce pas ? Et désirant revêtir à notre domicile céleste. Vous voyez ? Donc, ton corps est le domicile de ton esprit. Mm-hmm. D'accord ? Provisoirement, Dieu l'a mis là. C'est un domicile provisoire. Mais le véritable domicile de ton esprit, c'est le ciel. Mm-hmm. Vous voyez ? Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. Mais ouais, c'est clair, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Parce que cette tente, comme vous le savez, est mortelle. Ce corps est mortel et il, n'est-ce pas, contient un esprit qui est, n'est-ce pas, immortel. Alors imaginez maintenant le nombre de personnes qui vont plus prendre soin de ce corps mortel tout en négligeant la partie immortelle. Et quand le corps meurt, parce que le corps mortel que nous avons, cette tente, le Seigneur, selon Psaume chapitre psaume 90, versets 7 à 9, à 11, le Seigneur a donné à cette tente une durée de vie limitée, c'est-à-dire 70 ans, et pour les plus robustes, c'est 80 ans, hein, pour les plus robustes. Et il y en a qui peuvent aller au-delà. Donc imaginez, mes amis, les hommes vont plus prendre soin de ce corps mortel, n'est-ce pas, qui ne dure que 70 ans et qui à tout moment peut se briser. Tellement fragile. On est là, on se prend la tête. Non, j'ai pas de travail, alors ça va pas, je vais mourir, ah non, j'ai pas ceci, cela, ah ça va pas, ah parce que j'ai pas ouvert les comptes, frères et sœurs. Écoutez, ce corps-là, ça commence à nous aveugler vraiment, là, mes amis. Là. Et on va dire à ce corps mortel qui n'a que 70 ans de vie. On lui dit, mais écoute, tu vas passer de 0 à 25 ans à l'école. Et encore là, je suis gentil. La moyenne. Vous voyez ? 25 ans. Et tu dois te battre. Pourquoi ? Pour un bout de papier qu'on appelle diplôme. Que l'homme a bien confectionné, décoré, tout. Et puis à la fin de cette course la difficile, on va te sanctionner avec ce bout de papier et on t'acclame. Et ça se trouve que le lendemain de cette sanction-là, tac, accident, paf, c'est parti. Ensuite, deuxième course, il faut trouver du boulot, les plans sociaux, c'est pas évident, plein de soucis, on commence à avoir des problèmes d'estomac, des problèmes de santé, tout ça, parce qu'on est bouffé, on est mangé par les soucis, tout.
Ça va pas parce qu'on m'a dit que nous sommes dans une société où il est dit que si t'as pas ce bout de papier, t'es pas considéré, si t'as pas de travail, t'es pas considéré. Alors là, c'est difficile tout ça. Mais entre-temps, le corps s'habille. Alléluia. Amen. Seigneur. C'est tellement charnel là. Et puis quand on a du boulot, oh, merci. De temps à autre, on prend ce corps, on va l'amener à la plage, tout ça, on va bronzer. Vous voyez, imagine, tu prends ton esprit humain, tu l'enfermes dans ce corps bien comme il faut. Déjà, il est enfermé, il souffre. Parce que lui, il veut revêtir son domicile céleste. Et toi, tu l'enfermes là-dedans. Et puis, tu le trimbales partout à la plage. Alors, viens, on va pouvoir bronzer. Vous voyez? Alléluia. C'est terrible, hein? Et puis, le corps en question te dit, bon, il faut me garder bien comme il faut, tout ça, du sucre matin, midi, soir, du piment matin, midi, soir, tout ce que tu veux. Moi, n'importe comment, tout ça, même à 4 du matin, quand on les bronze, tout ça. Voilà. Le corps. Y a-t-il un corps qui réagit ici là? Alléluia. Amen. Alors le corps te dit non, il me faut un peu de la fumée, tout ça. Alors là c'est la cigarette, alors c'est le cigare, alors c'est bien comme il faut. Voilà comment nous sommes. Et puis. Je vois des gens 50 ans, il leur reste seulement 20 ans avant de basculer. Mais ils sont en train de pleurer par rapport à leur avenir. Même la retraite et tout ça, il faut que je me batte pour la retraite. Il y a trop de plans sociaux, tout ça. Mais ils ne se rendent même pas compte que ce corps-là va un jour être enfermé, hein, enfermé dans quatre planches. Vous voyez? Fini. On va creuser. On fait un petit trou là. Et puis on te descend gentiment avec quelques fleurs, quelques roses, quelques, je ne sais pas comment on appelle ça, les fleurs là-bas. Les orchidées, non, ce pas les orchidées. Le chrysanthème, voilà. Voilà, on balance ça, bon, ben c'est fini, on jette de la poussière, et puis on enterre, c'est fini. Et puis en Afrique, je crois qu'ici aussi. RIP. Retour interdit. Hein? Retour interdit, c'est RIP. Hein? Ouais, c'est ça. Retour interdit hein, au pays. Donc, Alléluia. De même si tu crois là. Voyez. Mais là-dedans, c'est un grand professeur. Il a fait 30 ans d'études. Alléluia. Amen. Il a laissé plein de maisons. Il avait plein de projets. Le corps. Et puis, même pas le lendemain, le jour même, là, je crois, où on va dire un mois, les vers de terre commencent à vouloir faire leur festin. Voilà. Les cheveux tombent, les beaux cheveux, n'est-ce pas? Bruns ou blonds, les beaux cheveux, les beaux yeux blancs, bleu vert, n'est-ce pas? Voilà. Fini. Quand ça pleut, l'eau parfois rentre dedans, le cercueil se remplit d'eau. Maintenant, un mois après, si on dit à la femme qui souffre parce qu'elle a perdu son mari ou à l'homme qui souffre parce qu'il a perdu sa femme, si on lui dit, écoute, on va détériorer le corps de ta femme. Non. Vous avez vu, quand Sarah est décédée, on nous dit qu'Abraham enterra le corps de sa femme. Vous n'avez pas vu quand quelqu'un décède, on dit son corps est là-bas. Vous comprenez? Vous voyez, même le français nous apprend qu'il y a une différence entre le corps physique et l'esprit. Mais si quelqu'un décède, par exemple, si quelqu'un décède,
Si on dit, mais on dit plus Jacques est où? Hein? On ne va pas dire que Jacques est dans la chambre à côté. Non, on dirait le corps de Jacques est dans la chambre. Pourquoi? Parce que Jacques n'est plus dedans. Bah oui. Et un jour, l'esprit m'a interpellé là-dessus. Il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte, même votre langue, là, tout ça, là, en parlant cette langue, vous allez comprendre qu'en fait, c'est voilà, qu'il y a une différence entre l'esprit et le corps physique. Voilà, la mort, c'est le départ hein, de l'esprit du corps, et puis le corps reste là. Voilà. Jacques n'est plus là, Marie-Thérèse n'est plus là. Fini. C'est pour cela que, mes amis, il faut vraiment qu'on fasse attention, parce que le corps là, amène beaucoup de gens en enfer. Le corps. Le corps veut des belles voitures, des belles maisons. Le corps veut, vous voyez, il veut paraître. Regardez toutes ces chaînes de télé où on fait l'apologie du corps humain. Vous savez, les Grecs, mes amis, les Grecs, ils aimaient beaucoup hein, le corps, la nudité. Hein, ils faisaient vraiment l'apologie de la nudité, du corps de l'homme. C'est-à-dire, et cette mentalité, cette influence grecque a affecté nos cultures, hein, tout ça. Donc, du coup, on adore la création, la créature, plutôt que le créateur. Oui. Donc il y a tous ces produits de beauté qui sont vendus ici et là, cosmétiques, tout ça, pour que les gens deviennent de plus en plus beaux, tout ça. Et voilà, c'est incroyable, mais c'est des gens qui vont être enterrés, des corps qui vont être enterrés. C'est comme un véhicule, vous allez plus prendre soin hein, de la carrosserie que du moteur. Mais la partie la plus importante, c'est le moteur. Vous voyez? Et on ne se rend pas compte. Et nous allons prendre Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Quelqu'un peut-il nous lire du verset 13 jusqu'au verset 21? Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Mais viens mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répond, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voyez, cet homme n'avait pas compris que le corps physique, son corps physique n'était rien d'autre qu'une tente qui abritait l'esprit, son esprit humain. Et pendant toute sa vie, il n'a pas pris soin de son esprit. Il a nourri plus son corps physique. Et, il lui a donné toutes sortes de biens, de belles voitures, de belles maisons. Et il dira un jour à son âme, « Mon âme, repose-toi. Profite bien de cette richesse. » Et Dieu lui dit, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Il est mort. Et il y a une autre histoire qui concerne la mort, qui est quand même qui est très... vraiment, qui me parle énormément, qui est très, très parlante, dans Luc chapitre 16. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'une serre, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein.
Il s'écria, « Père, Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Maintenant, c'est pareil, hein, le corps, cet homme, les deux étaient morts, bien sûr, physiquement, et il bascule, il passe de l'autre côté du rideau, et la Bible nous dit que le pauvre, il a été emporté donc, par les anges, porté au ciel par les anges, et le riche était enseveli. Et dans le lieu des morts, il lève les yeux. Quels yeux? Eh bien, les yeux de son esprit. Et c'est fini. Il était condamné comme le témoignage du frère. Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voyez? Il faut qu'on nous en parle de ces choses. Dans les églises, il faut que les chrétiens soient conscients de ces réalités spirituelles. C'est important. Ça ne sert à rien de pouvoir se donner un genre, se glorifier de ses libéralités, se glorifier d'avoir un puissant ministère, se glorifier parce qu'on a une belle voiture, parce qu'on a une belle maison, parce qu'on a un bel appartement. Ça ne sert à rien, c'est de la poussière tout ça. Hein. Honnêtement. Les gens sont orgueilleux parce qu'ils ont un beau bâtiment. Ils sont orgueilleux parce qu'ils ont un beau bureau. Ils sont orgueilleux parce qu'ils ont des belles fringues. Ils ne se rendent même pas compte que tout ça, c'est... Honnêtement. On va tout laisser. On a juste, si vous avez 40 ans, il vous reste 30 ans de vie. Et encore, il faut éviter tous les aléas de la vie. Pas toujours sûr. C'est à quoi de se donner un genre, se glorifier parce qu'on prêche bien. Parce qu'on a une toute autorité, à laisser. Tout ça, c'est. Quand j'arrive à ce point-là, j'ai souvent envie de rester seul. Parce que tu te dis, tout est vanité. Tout. Et c'était trop tard pour le riche. Il a vécu bien. Il avait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'un homme pouvait désirer. Et dans nos sociétés modernes, les gens sont tellement attachés au matériel, tellement attachés au bien de ce monde. Il y en a qui se suicident parce qu'ils ont perdu leur boulot. Vous rendez compte, frère? C'est incroyable. Ils sont tellement inquiets. Le corps physique là est rempli d'inquiétude. La chair, là, mes amis, là. Et le Seigneur, par la suite, à la fin de ces... dans Luc 12, là-bas, il dira, c'est pourquoi, il dira aux apôtres, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque seconde qui passe, il y a au moins 10 personnes qui meurent dans le monde. Toutes les secondes. Des esprits qui quittent le corps, leur corps. Mais ces esprits-là n'ont pas été préparés pour l'éternité. Et dans Romains chapitre 8, ceux en effet qui vivent selon la chair, verset 5, s'affectionnent aux choses de la chair. L'affection des choses de la chair nous éloigne du Seigneur. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est terrible. Hein? L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Donc la tente doit être détruite, doit être... C'est-à-dire, c'est Paul disait dans 1 Corinthiens 9, il disait au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » C'est terrible. De peur d'être désapprouvé après avoir enseigné aux autres. On s'affectionne tellement aux choses de la chair. Quelles sont ces affections-là? Ben, les choses de la chair, je prends juste un exemple sur le racisme, par exemple. Un noir va se sentir à l'aise avec les noirs. Eh ben, c'est simple. Il est charnel, même s'il est pasteur, même s'il est chrétien, même s'il parle en langue, s'il prophétise, il est charnel. Parce qu'il s'affectionne aux choses de la chair. Un Européen va se sentir à l'aise avec les Européens. Chrétien, j'entends par là. Pareil, c'est la chair. C'est pour cela qu'il faut confronter la chair à la vérité. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle est affectée. Vous voyez? Est-ce qu'en tant que chrétien, tu peux te retrouver facilement avec les Indiens, avec les frères et sœurs indiens, avec les Arabes, sans préjugés? Tu vois? La chair, elle est comme un aimant, tu sais. Elle a tendance à nous attirer vers les personnes qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent, et on ne se rend même pas compte. On se laisse embobiner, attirer par les gens qui ont la même culture humaine que nous, terrestre que nous, et on rentre dans un fonctionnement purement charnel. Il n'y a plus l'esprit. Même Pierre, qui était rempli de l'esprit, qui était apôtre, avait encore un problème avec sa chair. Quand le Seigneur lui dira, lève-toi, tue, n'est-ce pas, en parlant de cette nappe qui descend du ciel avec toutes sortes d'animaux impurs, Pierre va hésiter. Pierre dira non. Et quand il va se rendre chez Corneille après, les apôtres, même les autres apôtres, tous, quand ils vont apprendre que Pierre était chez Corneille, un Romain, n'est-ce pas, ils vont lui faire des reproches, disant que tu es rentré chez un incirconcis, tu as mangé avec eux. Vous vous rendez compte? Il restait seulement entre eux, les apôtres. C'est pour cela que le Seigneur a dû se servir de Paul. Vous avez vu comment il a utilisé, comment il a fait pour pouvoir le briser? Il a brisé d'abord sa chair. Il a brisé sa chair afin de libérer son esprit pour qu'il ait une vision panoramique, la vision globale du royaume de Dieu. Pas une vision sectaire, ethnique. Une vision limitée de l'œuvre. Et nous sommes dans ce, malheureusement, nous chrétiens d'aujourd'hui, la plupart, nous sommes dans cette vision complètement limitée. Parce que la chair est beaucoup plus importante que l'esprit. Donc du coup, la chair étouffe. La chair, en tant que tente, étouffe l'esprit. Ne laisse pas l'esprit, ne laisse pas l'esprit s'exprimer. Vous voyez? Et notre chair devient une prison pour notre esprit. C'est terrible. Quel est notre langage quand nous sommes entre nous? Comment parlons-nous des uns des autres? Comment parlons-nous des frères qui sont étrangers, des frères et sœurs qui sont d'ici et là? Comment parler? Vous voyez, c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'une délivrance. La chair a besoin d'être crucifiée. La solution que Dieu l'instrument que Dieu va utiliser pour briser notre chair, c'est la croix. C'est pour cela que Dieu est venu dans une chair semblable, dans un corps semblable au nôtre, pour pouvoir le briser. Parce que sans la croix, ma chair, ta chair, va empêcher l'esprit de s'exprimer. C'est pour cela que Romains, chapitre 11, chapitre 6, verset 6, dit que le vieil homme a été crucifié à la croix. Le vieil homme, c'est l'homme adamique. Donc il y a d'abord l'âme, bien sûr, mais aussi le corps physique. Parce que l'âme est très liée avec le corps physique, parce que l'âme, c'est la vie terrestre, la vie matérielle. Vous voyez?
Et c'est pour cela que celui dont la chair est brisée ne voit plus les races. Paul était tellement brisé qu'il dira dans Galates 3, 28, il n'y a ni juif, ni homme, ni femme, tous sont un Christ. Mais son langage n'était pas compris par les autres apôtres. Vous voyez? Il a besoin de la croix. C'est pour cela que constamment, il faut que la chair soit sur la croix. Voilà pourquoi Yeshua, dans Luc 14, disait que celui qui veut me suivre doit se charger chaque jour, pas de temps à autre, chaque jour de sa croix, pour maintenir constamment la chair dans l'obéissance. Sinon, là, mes amis, voyez, la chair. La Bible dit carrément que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Dans Galates 5, vous connaissez ce passage. Il y a une lutte permanente entre la chair, ta chair et l'esprit de Dieu. Et la parole de Dieu. Vous voyez? Combien de pasteurs ne sont-ils pas au courant du message que nous prêchons sur le retour à la parole? Leurs esprits savent que c'est la vérité. Leurs esprits humains. Mais leur chair refuse parce que la chair leur dit... Comment vais-je faire pour manger? Vous voyez? Pour me vêtir. Donc du coup, la chair devient un obstacle à la délivrance de l'esprit humain et des âmes qui attendent ce ministère. La chair a des passions. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il faut que vous le sachiez, même si vous êtes rempli de l'esprit, cela ne change en rien du fait que votre chair, ma chair, aura toujours des désirs contraires à ceux de l'esprit. Parce qu'elle, elle est terrestre. Elle est de la poussière. Elle ne sera jamais céleste. Paul dit carrément, le Seigneur a dit que, Paul dit également que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a toujours cette lutte-là. La chair a tendance à te tirer vers le bas et l'esprit de Dieu te tire vers le haut, tire ton esprit dans une lutte qui est là. D'un coup, on va accepter la vérité, mais après, un mois après, on fait marche arrière et on revient encore. On est dans une instabilité, mes amis, pas possible. Donc là, il y a besoin de la croix. Alors, il y en a qui vont chercher les impôts sur les mains des pasteurs, ça ne sert à rien. Il faut la croix. La croix constamment, chaque jour depuis Babylone, là, depuis Genèse 11, la chair humaine a pris un coup en coup parce que là il y a eu la division des langues, la multiplicité des langues, donc du coup, plusieurs divisions, donc plusieurs, enfin, la division tout simplement. Vous voyez. Alors, imaginez, nous sommes dans un monde où il y a tellement de langues, rien qu'en RDC. Il y a 430 dialectes et 4 langues nationales. Alors, ça veut dire que vous avez 430 tribus qui sont divisées. Rien que chez les Congolais. 430 chairs divisées les unes aux autres. Alors, maintenant, s'il n'y a pas la croix, il n'y a rien à faire. C'est pour cela que Paul dit ici, il dit que si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ça veut dire que le corps humain ne doit plus réagir par rapport, n'est-ce pas, réagir aux propositions du péché. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut la croix. Vous avez vu les Corinthiens, il n'y a pas une seule église qui avait reçu autant de dons que les églises de Corinthe. Paul le dit dans 1 Corinthiens 1, le témoignage de Christ était solidement établi parmi eux. Ils avaient tout le don, ils avaient la connaissance. Paul dira que, il leur dira même si j'ai la foi pour transporter toutes les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, ils avaient toute la foi, une grande foi. Ils avaient la connaissance, il dit la connaissance enflamme, mais l'amour édifie. Mais pourtant, cette église-là,
les églises de Corinthe étaient remplies de chrétiens dont la chair n'était pas brisée. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Romains 7, Romains 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si c'est par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alors, ça veut dire quoi vivre selon la chair? Ça veut dire vivre comme un païen. Je parle avec les gens qui me ressemblent, selon le monde, bien sûr. Je mange avec les gens qui me ressemblent, selon le monde. Étant chrétien, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Je m'inquiète si je passe, je perds un travail, comme font les chrétiens, ben, ça veut dire qu'on va mourir. Un chrétien qui meurt dans cette situation, même s'il perd son emploi, il ne va pas s'inquiéter. Il ne peut pas s'inquiéter parce qu'il remet tout entre les mains du Seigneur. Il ne va pas rester dans l'oisiveté, il va travailler, il va chercher du boulot, il va frapper ici et là, mais il va rester, il est confiant, il a la paix. Vous voyez? Il n'est pas agité. Non. Combien de chrétiens que vous connaissez qui ont la paix de Dieu avec eux? Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'inquiétude. Ils sont tellement inquiets qu'ils sont obligés d'aller sur les sites internet pour chercher la solution, chercher des prédicateurs qui vont prier pour eux. Ils vont courir partout pour chercher l'imposition des mains. Ils sont inquiets, ils sont agités. Parce qu'ils sont encore remplis de chair. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Wow. La chair. Regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 6. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il appelle, cette tente, Paul l'appelle le corps du péché. C'est terrible, hein? Ah oui, c'est un corps qui aime le péché, frère. La chair aime le péché. Le corps aime le sexe, ça vous le savez. Hein? Il aime la télévision. Il aime manger. Il aime boire. C'est le corps du péché. Ben, notre esprit est enfermé dans un corps, dans le corps du péché. Voilà la lutte. Même si vous priez 4 heures de prière, 4 heures de temps, 6 heures de temps, ce n'est pas pour autant que votre chair ne va plus avoir les désirs du péché. Ce n'est pas que vous êtes possédé. Si vous craignez Dieu, vous sentez qu'il y a des choses, des pensées bizarres qui vous arrivent tout le temps. Vous ne vous nourrissez pas de ces pensées, vous les cherchez à chaque fois. Mais ce n'est pas parce que c'est pas que vous êtes possédé, c'est que la chair est là aussi. Vous voyez là, il faut être conscient de cela pour pouvoir la dominer à chaque fois. On a reçu l'autorité pour l'écraser, mais elle est là, on sera délivré par la mort. La chair veut boire, la chair veut fumer, la chair veut danser, la chair veut aller en boîte de nuit, la chair veut l'accompagner des hommes, elle veut être acclamée, la chair, elle veut de la reconnaissance. Vous voyez, elle ne veut pas être seule. Jamais. Le corps du péché. Et c'est pour cela que le Seigneur a dû s'incarner pour mieux comprendre l'homme. Pourquoi l'homme pêche autant? Le Seigneur a pris ce corps de péché. Il n'a pas péché, mais il a pris ce corps de péché, ce corps limité, pour pouvoir mieux nous aider. Et Paul continue, il dit,
car celui qui est mort est libre du péché. Verset 11. Ainsi donc, ainsi vous regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Il appelle cela corps mortel. Corps du péché, corps mortel. Voilà les définitions que Paul donne à notre corps physique, à notre tente. Donc, la poussière, quoi. La poussière, c'est le corps physique. La poussière, c'est une tente pour l'esprit humain. La poussière, donc notre corps physique, c'est le corps du péché et c'est également le corps mortel. Alors pourquoi prendre autant soin de ce corps mortel? Parce qu'on est beaucoup soit aveuglé. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Donc vous voyez que ta tente, ton corps physique là, a des convoitises. Et le corps physique donne des ordres à ton âme, à ton esprit. Vous voyez? Il ne faut pas lui obéir parce que la chair t'attire vers le mal. Viens, reste avec moi sur terre. Reste avec moi sur terre, s'il te plaît. Et lutte tous les jours. Ben oui. Ah, tiens, ton ex est là. Il faut l'appeler. Tiens, il y a des choses. Tiens, mais il faut vivre, il faut profiter. Tu es jeune, profite-en. Profite-en. Regardez, vous savez, quand les gens arrivent à l'adolescence, là, le corps, comment il réagit? Vous avez vu? Il passe son de combat. C'est terrible. Ben voilà. Arrivé à un âge, c'est pareil, ça reprend. C'est ça la chair. Voilà, bien. Alors, voilà, beaucoup vont répondre aux exigences de la chair, à la convoitise, à la masturbation, à la coutellerie, tout ça. Il y a tout un tas de pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole. La chair aime ça. Le cunnilingus, la fellation, la masturbation, la sodomie, l'homosexualité, tout ça. Eh bien voilà, la chair aime ça. Ben oui. Et on se saoule en tant que chrétien, on dit non, tout est permis, on peut se permettre n'importe quelle pratique dans le mariage, tout ça là. On ne se rend pas compte, les gens ne se rendent pas compte qu'ils obéissent aux besoins de la chair, à la convoitise de la chair, et ça se. Ils sont saoulés. La chair. La plupart des problèmes qu'ont les chrétiens, là, que vous connaissez, ce ne sont pas les démons, c'est leur chair. Et Satan utilise beaucoup notre corps. Il connaît mieux notre corps. Il sait que ce corps est faible. Il sait que ce corps est le corps du péché. Que c'est un corps qui, n'est-ce pas, qu'il peut facilement exploiter. Voilà pourquoi il possède sur ce corps. Non. C'est un point de contact. C'est une maison. Voilà pourquoi les démons peuvent l'habiter. Il peut y avoir 3000, 4000, 6000 démons. Ah oui. C'est le démon. Hein. Le Seigneur le dit. Hein. On le voit dans Marc chapitre 5, quand il pose la question sur le démoniaque, au démoniaque de Gadara, quel est ton nom? Il dira Légion, la Légion romaine, qui comptait entre 3000 et 3 et 6000 démons. 6000 soldats, pardon. Vous voyez? Donc, vous rendez compte? La chair! Alors, quand une personne a un problème avec sa chair, vous pouvez chasser les démons, ça partira parce que c'est la chair. La chair. Comment amener une personne pour la délivrance? Une personne qui était devenue un peu. Qui avait des problèmes. Et cet homme délirait. On a prié, les démons qui sont sortis, mais ça continue. C'est vraiment divin, c'est sa chair. Voilà. Et on apprend que le monsieur aime beaucoup les cigares, tout ça, et fume du cigare alors qu'il s'est dit chrétien. Oui, il n'est pas converti, il a fait la démarche intellectuelle, mais il n'est pas converti. Il est soumis à la chair. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens, ils vont en enfer, parce que leur chair dirige leurs esprits. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Waouh. Nos membres. Comme les instruments d'iniquité, la langue, la chair. La langue aime parler. Ah oui.
La langue, elle parle. La langue crie, la langue parle, les oreilles aiment écouter de, toutes sortes de saletés. La chair, bien sûr. Quand on parle de la chair, frère, hein, la chair, on voit aussi le cinq sens. D'accord? Ah oui. La vue, ben oui, il faut gérer, corriger, contrôler sa vue. Ben oui. Qu'est-ce que tu regardes? Les oreilles. Vous savez, ce sont des entrées, hein, des portes d'entrée. Ah oui. Par la convoitise, tu peux être possédé. Parce que tu entends, tu peux te posséder également parce que la foi est ce qu'on entend. La foi est spirituelle. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, hein, ton esprit reçoit la parole, donc se nourrit. Mais si tu écoutes les paroles des hommes, ce n'est pas ton esprit, c'est d'abord ta chair. Là, ça gonfle la chair, les belles paroles. Les hommes. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu es avec des gens qui ne font que critiquer les frères et sœurs matin, midi, soir? Est-ce que tu écoutes leur propos sanguinaires? Eh bien, tu vas mourir. Si tu obéis à la chair, tu meurs. Ta langue. On nous dit que la langue est un petit membre, mais ça peut embraser toute une forêt. Elle peut embraser toute une forêt. La chair. Vous voyez? Ce que tu manges, la chair. Et quand le Seigneur nous a créés, nous n'étions pas comme ça. C'est le péché. Alors beaucoup de gens se trompent quand ils se convertissent. Ils sont zélés, ils ont la foi, ils sont remplis de l'esprit. Pendant quelques temps, les désirs de la chair ne sont pratiquement plus là. Parce qu'ils sont dans un cocon, Dieu le fait exprès. Le temps de les préparer à l'attaque future. Et là, au bout de quelques mois, la personne va se rendre compte que la chair est toujours là. Et si elle n'est pas aidée facilement, elle tombe, en général. Il faut l'encadrement. Ben oui. Alors, maintenant, la foi en Christ, c'est quoi? C'est le fait d'aller, hein, d'aller au-delà de la chair, pour commencer à voir comme Dieu voit, entendre comme Dieu entend. Vous voyez, frère, c'est terrible. Hein? Quand on commence à entendre comme Dieu entend, eh bien, les barrières tombent, les barrières socioculturelles, linguistiques, tout ça, là, ça tombe d'elles-mêmes. Ça tombe. Et on voit au-delà. On voit comme Dieu voit et on n'est pas compris par les gens qui sont charnels, par les chrétiens charnels. Et Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, on connaît ce passage. Hein? Frère, je ne vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Juste la division parmi vous, la jalousie, la rivalité. Mais vous êtes charnels, vous marchez selon l'homme. Et c'est le cas de plus de 95%, c'est le cas de plus de 95% des églises. Je n'exagère pas. Plus de 95% de nos églises sont remplies de gens charnels. Ben oui! C'est pour cela qu'il y a plus le réveil. Rivalité, compétition, concurrence. Moi je suis pour Pierre, moi je suis pour Jacques, moi je suis pour un tel. C'est la confusion totale. Moi j'ai un grand ministère. Vous voyez? C'est pour cela que personnellement, ça. M'asseoir dans les églises aujourd'hui là, pour non, ça, c'est pas de l'orgueil. Hein. Voilà. Ça dépend, hein, les frères et ceux qui craignent Dieu, il y en a, mais il y en a très peu. Hein. On va se lâcher, les danses sont charnelles, les chantres sont charnels. Les prédications, c'est charnel, ça prêche que la terre, tout est charnel, on entend bien. C'est la bénédiction, vous aurez des belles maisons, vous aurez des belles voitures, vous venez à Jésus, vous aurez le mariage, tout ça, tout est l'évangile, leur évangile est un évangile terrestre, charnel. Tout est autour de l'homme, tout tourne autour de l'homme, l'homme qui est au centre. Vous voyez?
Pour ceux qui sont en Afrique, on leur dit, ben, venez à Jésus, vous aurez le visa, vous irez en Europe, vous irez aux États-Unis, tout ça. Hein? Donc, faites une offrande, vous aurez le visa. Et les païens qui n'ont pas Christ ont le visa facilement. Et puis voilà, c'est tout est charnel. Vous voyez comment Satan a réussi à maintenir la plupart des églises sur terre, la chair. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Oui. Que Dieu nous aide, le business est rentré à l'église, on fait du commerce entre frères et sœurs, on fait des... C'est la chair, tout est mélangé, là, tout est complètement... Voilà. Ça casse les églises ici, ça appelle les frères dans les coulisses pour commencer une église à côté. Tout est charnel. Et allons voir quand même 1 Corinthiens 3 là-bas. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. C'est fort, hein, ce qu'il faut dire. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voilà. Vous voulez connaître, vous voulez voir comment la chair peut travailler, la chair peut nous amener, nous tirer... vers le monde, ben, méditer les églises de Corinthe, les deux épîtres de Paul aux Corinthiens. Vous allez tout comprendre. Paul dit à 2 Corinthiens 10, si nous marchons sur la chair, dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Vous voyez? Le combat est spirituel. Mais eux, ils se faisaient la guerre charnellement. Charnellement. Une personne qui est charnelle parle avant de répondre, avant d'écouter. Tu peux être pasteur, apôtre, docteur, prophète, si la chair est trop importante là, ben, tu vas faire des dégâts à chaque fois. Hein. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, ils ont l'onction qui attire les gens, mais ils ne sont pas assez brisés, ils sont pas vraiment spirituels. Donc du coup, les gens ne sont pas, je ne peux pas t'asseoir, donc je veux pas connaître une croissance spirituel, numérique. Parce que l'onction attire comme une lampe qui attire les moucherons, tout ça. Mais c'est la sagesse qui fait asseoir les gens. Les gens veulent servir Dieu, ils ont des grâces, tout ça, mais ils sont trop charnels. Il ne peut pas se passer du sexe. Ça tombe tout le temps. La chair est trop présente. Les gens chantent dans les chorales, mais vous allez voir, ça s'embrasse à gauche, à droite. Et voilà, la chair n'est pas maîtrisée. Comment voulez-vous qu'ils servent Dieu? Ils n'arrivent pas déjà à maîtriser leur propre chair. Comment voulez-vous qu'ils aillent chasser les démons? Ils ont du mal à contrôler leur propre maison. Ils ne sont pas maîtres de leur maison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est ma maison. Moi, je suis à l'intérieur. Je dois contrôler cette maison et contrôler ses motivations. Je dois être capable de dire aujourd'hui, tu ne vas pas manger. Je dois être capable de dire aujourd'hui, tu ne vas pas aller voir telle personne. Aujourd'hui, tu vas te passer du téléphone. Qui se sent dominé? Hein, Thessaloniciens, chapitre 4. Hein, tu peux nous lire 4, 3, 4. Thessaloniciens 3, 4. 4, 3.
Thessaloniciens 4, 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Waouh, j'aime bien cette parole. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. D'accord ? L'homme spirituel doit être capable de posséder son corps. Pas les démons, mais ton esprit. Paul parle aux esprits ici. Hein, qui devaient posséder leur tente. Imagine, toi, tu es dans ton appartement. Et c'est ton appartement qui te gère, qui te contrôle, qui te dicte ses lois. Et bien, c'est le cas de la plupart des chrétiens. Dors. Mets-toi là, assieds-toi. Tu vas t'asseoir. Lève-toi. Bon. Fais entrer de la fumée. Là, c'est le chrétien qui fume. Imagine-toi, tu es dans cette maison, il y a plein de fumée, hein, qui rentre, c'est comme ça, tu te tues. Voyez ? Voilà. Eh bien, tu vas voir que cette maison, justement, cet appartement, hein, la fumée, l'infection, tout ça, plein de déchets, plein d'immondices, et toi, tu es là. Voilà. Convoitise, jalousie, la colère, manque de maîtrise de soi, hypocrisie, tout ça. Et toi-même, tu es bien au centre. Et là, tu as mis Christ de l'autre côté de la main. Vous voyez ? Et maintenant, celui qui possède sa maison, c'est celui qui a laissé le Seigneur au centre. Et lui, il est dans un coin, le Seigneur domine. Et tout ça, là, c'est dehors. Amen. Comment vous pouvez comprendre que des chrétiens, soi-disant remplis de l'esprit, soient dépendants des antidépresseurs, hein, pour dormir, parce que ça ne va pas là ou là, parce que c'est pas possible, c'est pas ça être chrétien. Là. Qui a du mal à posséder son corps? D'accord. Alléluia. Amen. Tu sens une pression qui monte? Non. Tais-toi au nom de Jésus. Tu te tais. Aujourd'hui, tu ne manges pas. Aujourd'hui, tu ne dors pas. Aujourd'hui, tu vas méditer. Ah non, mais je suis fatigué, je comprends tout ça. Tu vas méditer. Et tous les jours, tu donnes des ordres. Et le corps obéit. Et quand il demande à se reposer, s'il est vraiment fatigué, tu lui donnes son repos. C'est normal. Amen. Donc c'est toi maintenant qui gère la chair. Ça, c'est magnifique. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça être spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Et on va finir avec 1 Corinthiens 15. C'est un ouf de soulagement. Quelqu'un peut le lire? 39. Toute chair n'est pas la même chair. Autre c'est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a plusieurs types de chair, hein, donc les animaux, tout ça, on continue. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil,
autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Vous voyez l'homme, c'est ça l'homme. L'homme est un corps physique, un corps naturel et aussi un corps spirituel. Ça fait l'homme. D'accord ? Alors, prenons soin aussi de l'homme spirituel que nous sommes. Dans la prière, dans la méditation de la parole, en côtoyant les bons esprits, c'est-à-dire les esprits qui craignent Dieu. D'accord ? Et Paul parle du corps naturel, le corps physique, la chair, comme une semence. La mort, c'est ça en fait. Quand on meurt, on est comme planté et semé. Dieu te plante, te sème. Vous voyez ? Et tu dois germer. Mais si tu es planté, là, tu es semé et que tu étais adultère, c'est fini. Un corps adultère qui meurt dans l'adultère, mais si vous plantez du maïs, là, vous n'allez pas cueillir des avocats. Ben voilà. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 6, votre corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord ? Il parlait d'abord du corps-esprit. Il y a ensuite le corps physique. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même ? Il dit votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. C'est terrible. Et il dit, Paul, au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça, c'est catégorique, c'est clair. Alors, prenons plus souvent du corps spirituel. Et au verset 49, il dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, donc Adam, notre corps physique porte encore l'image d'Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Et Paul disait dans Philippiens, il disait, je suis pressé de deux côtés. Donc en fait, un vrai un chrétien rempli de l'esprit ne doit plus avoir peur de la mort, parce que c'est, en fait, tu déménages tout simplement. Mm-hmm. C'est tout. D'accord ? Voilà. C'est le déménagement, la mort pour nous, ce n'est pas la mort comme les païens, c'est le déménagement tout simplement. Voilà. On ne peut pas déménager sans avoir préparé sa maison là-haut. Quoi. Voilà. Des questions ? Si. Donc voilà, j'ai eu l'impression, quand j'entends cet enseignement, que le corps physique nous fait pécher. Plus que l'âme, alors que l'âme est censée dominer le corps. Mm-hmm. Donc là, j'ai du mal à saisir. Parce que je pensais que c'était l'âme qui gérait le corps. Le corps, c'est juste un véhicule. Mm-hmm. C'est vrai que je comprends effectivement, comme le corps, il est physique. Il y a le toucher, il y a ce qu'on entend, tout ça. Effectivement, là, bon, on peut, ce corps-là peut pousser l'âme à pécher. En même temps, l'âme aussi. Par exemple, les désirs, il y a quand même des désirs. Bien sûr. Donc, s'il y a des désirs, c'est l'âme qui dit au corps, va là-bas. Bien sûr. Et le corps. Et le corps s'habitue. Voilà. Le corps s'habitue. Le corps physique s'habitue. Mmh. Mmh. S'habitue au péché, il y a une addiction après. Mmh. Parce que le corps aime ça. En fait, le corps suit. Le corps, si tu jeûnes, le corps va s'habituer. Mmh. Le corps physique. Si tu dors beaucoup, le corps va s'habituer. Si tu dors peu, le corps va s'habituer. Il s'adapte. Mmh. Tu vois ? Mmh. Donc. Et je dirais que le corps humain est assez opportuniste. Mais l'âme, par contre, c'est elle, si elle n'est pas brisée, là, c'est elle qui commande le corps après. Après, le corps s'attache, hein, parce que le corps, c'est le la partie physique, visible. Elle est plus exposée, visiblement, physiquement, aux attaques. En fait, j'ai une question, parce que actuellement qu'on a reçu cette semaine, là, et là, le partage que tu as pris, dans 2 Corinthiens 5, verset 2, il dit. Aussi j'ai mis son nom dans ce temple
désirant revêtir notre domicile céleste. Ici, il fait mention de quel domicile? Parce que il parle du corps glorieux ou il parle de la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem. Les deux. Ok, d'accord. Notre domicile céleste, c'est les deux, quoi. C'est, voilà, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est le corps glorieux qu'on aura. Voilà. Regarde, Paul, dans Philippiens 3, merci Saint-Esprit. Philippiens 3, 19 à 20, si quelqu'un peut le lire rapidement. Tu utilises un autre terme pour parler du corps humain, là. Corps physique. Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de d'assujettir toutes choses. C'est le corps d'humiliation, voilà, qui sera transformé. Oui. Pas bien compris où va l'âme alors du coup à la mort. L'âme et l'esprit, l'âme c'est la volonté. Donc à la mort d'un homme, d'une personne, l'âme et l'esprit fusionnent. Si c'est un chrétien, ça fusionne parce que ta volonté, comme je disais, ma volonté, c'est, voilà, c'est de faire la volonté du Seigneur. Dans les Lévitique, j'ai vu que Dieu disait qu'il pouvait avoir en horreur ceux qui lui déplaisent. Et dans son âme, en fait. Dans une âme. Bien sûr. Oui, c'est le Seigneur a une âme, hein. Tout à fait. Sa volonté. Oui. Donc, l'âme et l'esprit fusionnent, tu disais. Et l'Ecclésiaste, enfin, l'Ecclésiaste nous dit que l'esprit retourne à Dieu. Et en fait, il y a des passages où le terme ruach, qui signifie souffle, roi ou pneuma, a été traduit donc, selon le contexte. Hein, il y a des passages où roi est traduit par âme ou esprit. D'accord. Voilà. C'est un chrétien rempli de l'esprit, un chrétien spirituel, son esprit et son âme forment une seule entité. Parce que son âme, dans sa volonté, n'est plus, donc c'est la volonté du Saint qui prime. Voilà. Quand quelqu'un, par exemple, meurt et va au ciel, il n'a pas encore un corps glorieux. Si, si. Quand on meurt là, en Christ, on est transporté là-haut et forcément, donc nous. En fait, quand on sort de notre corps, on se rend compte que on a notre corps spirituel qui est complètement illuminé. D'accord. Voilà. Bien veux-tu. Et on est surpris, on se dit, mais waouh, c'est tout transparent, tout clair, tout illuminé, tout lumineux, tout. Voilà. Mais quand il nous est parlé, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange au son de la trompette, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien sûr. Ça, ce sont la poussière, les corps humains. D'accord. Voilà. Okay. Les corps humains. Les pensées, c'est où, c'est moi. Les pensées, c'est au niveau de l'âme. Car c'est du cœur, c'est du dedans, c'est du cœur qui viennent les pensées. Marc 7. Voilà, c'est l'âme. Les sentiments, tout ça, c'est l'âme. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu prend un esprit, parce qu'avant que nous naissions, il nous connaissait déjà. Et il met dans l'homme pour la naissance. Et puis après, il reprend. Ça m'a fait penser à la parabole de Dieu qui sème les fils de Dieu et les fils du malin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça par rapport au fait que le Seigneur dit que c'est le malin qui a semé l'ivraie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça par rapport aux esprits? En fait, les esprits des hommes n'appartiennent pas à Satan. Donc, après, quand on est dans ce corps physique, là, l'ennemi nous récupère, hein, peut nous récupérer si nous ne faisons pas attention. Et essayer de récupérer, il te plante dans une assemblée, dans le monde, comme ta semence. Quoi. Il se sert de toi comme une semence pour détruire les autres. Comme un instrument de destruction. Et si c'est un démon incarné? Voilà, c'est autre chose. Là, c'est autre chose.
pensais que c'était ça aussi, ça pouvait être ça le livret. Bien sûr. Ben, de toute façon, les démons font partie du livret, hein. Mm-hmm. Bien sûr. Oui. Je voulais poser une question parce que tout à l'heure tu parlais, tu dis quand on meurt, l'esprit donc est repris par Dieu. Mm-hmm. Et quand il y a une fécondation, donc Dieu prend l'esprit pour le mettre dans le corps. Mm-hmm. Est-ce qu'il utilise les mêmes esprits ou c'est des esprits différents? Je pense que, parce que la Bible ne parle pas de la réincarnation. Non. Donc ça, c'est clair que quand on décède en Christ, là, on est, on rentre à la gloire. Voilà. Avec tout ça, là, on parle de l'enfer à plusieurs. Attends. Allez, les amis, on se retrouve plus tard. Que Dieu vous garde. D'accord. On se rappelle. On a fini. Oui. La Bible fait plusieurs mentions de la mort et de ce qui va se passer après. Sur quel passage les gens se battent pour dire que ne pas qu'on meurt encore sans réponse? Quand que l'on dort, simplement. Ouais. Bon. Et parce que les passages disent que les chrétiens, les saints sont endormis. Donc la mort est utilisée comme, par exemple, Lazare, le Seigneur disait qu'il dort. Ouais. Ouais. Tu vois? Donc, voilà, ils tiennent aussi, on dit qu'il s'est endormi. Voilà. Donc, sinon, le corps s'endort, bien sûr, mais l'esprit est immortel. La mort, faut la voir comme le sommeil aussi normal, le sommeil. Quand nous dormons, nos esprits traînent à gauche à droite, parfois. Enfin, je veux dire, voilà, il est toujours en activité. Ouais. L'esprit ne dort jamais. Voilà. Ouais. C'est aussi pour ça que le Seigneur dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Bien sûr. Parce que l'esprit est toujours vivant. Bien sûr, parce que pour Dieu, l'esprit. Mm-hmm. Donc pour lui, la mort n'existait pas. Parce que nous ne mourrons pas. En fait, en réalité, nous ne mourrons pas. Mm-hmm. Nous, en tant qu'esprit. Mm-hmm. Parce que j'avais pensé qu'il n'est pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est éteint, quoi. Ouais. Vous savez, à penser à ça, je pense. Il est éteint, c'est-à-dire son esprit est toujours en activité, mais il n'est pas conscient. Il va soumis à Dieu. Donc il est mort, c'est-à-dire il est séparé d'avec Dieu. Mais sinon, son esprit peut entraîner à gauche à droite. Ça fait des cauchemars, ce que tu veux. En fait, je ne comprends pas trop. Parce que, en fait, tu avais dit que pour qu'on soit spirituel, il fallait que l'esprit soit séparé de là. Mm-hmm. Et je ne comprends pas pourquoi notre mort. L'esprit, fusionne. Voilà. En fait, notre âme, c'est-à-dire l'âme qui n'est pas, qui est soumise, qui n'est pas sanctifiée. L'âme, la volonté de l'homme. Tu vois, nous devons céder notre volonté à celle pour suivre la volonté du Seigneur. Parce que l'âme, c'est aussi la volonté. L'âme, c'est aussi les sentiments humains. Maintenant, si ton âme est sanctifiée, libérée, ben, elle va te soumettre au Seigneur, à sa parole. Voilà. Quand c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, dans la fin, que le mort en Christ, que notre corps en fait sera incorruptible, est-ce que c'est pas du corps physique ou qui va devenir incorruptible? Les trois parties de l'homme, lors de la résurrection. D'accord. Ben, on va avoir le même corps que le corps que Christ avait. Mmh. Tu vois, quand Jésus est ressuscité, Marie de Magdalène n'a pas reconnu. Elle a pris pour un jardinier. Donc c'est un corps qu'on pourrait ne pas toucher, qui sort le corps. Bien sûr, composé, comme elle a dit dans Luc 21. Un corps de chair et de sang. Voilà. Ça va être un corps de l'homme qui viendra pour le règne des mille ans. Qui? Pour le règne des mille ans. Ouais. C'est avec ce corps. Oui. Non. C'est ce même corps que j'ai envie. Mm-hmm. Mais si 6000 démons, comme on l'a vu dans la Bible, peuvent habiter dans un corps, ça veut dire que spirituellement, on est grand en fait. Si par exemple, en fait, ma question c'est si plusieurs démons peuvent habiter dans un tout petit corps, ça veut dire que spirituellement,
En fait, au niveau de notre esprit, on a une forme, on a une taille. Non, pas du tout. En fait, il ne faut pas voir les choses comme ça. Les démons, c'est comme du vent. C'est comme de... Voilà, ça peut... Tes lunettes peuvent être possédées par 30 000 démons. Ah ouais? Okay. Tu vois? Ça, c'est pas un problème. Non, c'est pas... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Dans le monde spirituel, il n'y a pas de... Il ne faut pas quantifier les choses. L'intégrité, tout ça, c'est au niveau de l'âme. Ouais. Et mais bon, parce que un païen, il n'a pas forcément toutes ces choses-là. Mais à la nouvelle naissance, en fait, comme si ça s'opère dans l'esprit, comment l'intégrité, justement. Ouais, parce que Dieu a mis dans chaque homme la portée de l'éternité, et dans chaque homme, il y a une partie de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé. Et puis il y a des valeurs morales que l'on trouve chez les païens, partout, parce que les nations sont gérées par. Le monde est régi par les dix paroles, dix commandements. Tu vois? Donc il y a une forme d'intégrité dans chaque homme. Cela prouve justement qu'ils sortent de Dieu, qu'ils sont sortis de Dieu. Voilà. Et à la nouvelle naissance, l'intégrité est renouvelée en tout cas. Tout à fait. C'est comme il n'y a plus de distinction entre hommes et femmes, évidemment parlant. Ok. Alors, ce passage-là, il faut le. Quand Paul dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Christ. Donc on sait que sur le plan physique, ce n'est pas le cas. Il y a toujours des femmes. On continue à se marier. Et donc si une femme interprète le passage littéralement pour dire que je suis une femme, il y a un problème. Donc, ça veut dire que dans le royaume à venir, et comme nous venons de le dire, la résurrection des morts, il n'y aura plus de femmes, plus d'hommes, donc on ne va plus se marier. Donc, ce passage-là va trouver. En fait, potentiellement, on peut le vivre déjà en Christ, mais ce passage va se matérialiser, se concrétiser lors du retour de Christ. Voilà. Donc c'est-à-dire que Christ, quand il reviendra, parce que en fait, nous attendons notre rédemption totale. Donc nous gémissons vers ces choses. Donc, pour l'instant, ce sont les prémices que nous avons. Comme l'Esprit, pareil, sur les prémices que nous avons. Voilà. Donc l'unité en Christ, elle est déjà là. Donc nous sommes un. Parce que déjà à l'époque, les hommes et les femmes étaient divisés. Donc en Christ, nous sommes un. Donc quand on voit une femme, on ne va pas la voir en tant que femme, on va la voir en tant qu'enfant de Dieu. Voilà. On ne va pas la juger en tant que femme. Quand on voit un noir, on ne va pas le juger en tant que noir. Ben, on ne va plus juger son apparence. Voilà. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, il y a toujours cette distinction des femmes et des hommes. Voilà. Notre esprit ressemble à notre corps physique. Mm-hmm. Est-ce qu'à la résurrection des morts, du coup, on ne va pas se ressembler? C'est-à-dire que ça ne sera pas nous? Mm-hmm. On n'aura pas la même apparence? Oui, si. Est-ce qu'on aura la même apparence? On aura l'apparence de Christ. Ah, en fait, c'est ça qui est magnifique. Mais ça sera pas ma tête, du moins je serai non. Pas. Non. Non, non. Nous serons semblables à lui. Même le à la croix qui n'a pas travaillé, il aura encore leur lieu. Bien sûr. Ce sera juste les couronnes qui vont voilà. Et puis l'éclat. Parce que Daniel dit que dans Daniel 12, ceux qui annoncent la parole à des multitudes brilleront comme les étoiles du ciel. Non, pas du tout. Non, non. Il n'y aura plus ce sentiment-là, heureusement. Est-ce que tu peux me donner vite fait la relation entre l'âme et le corps? Parce que moi, je reviens sur la question de Simon. Parce que parfois, on a l'impression que quand on parle du corps, on parle de l'âme. Et tout à l'heure, tu disais que la chair, voilà, elle a des besoins et. La chair, parfois, selon les. Comme dans Romains 6, là, quand on parle du vieil homme, là, c'est l'âme. Mais plus tard, plus loin, Paul, dans Romains 8, quand il parle de la chair également, il parle d'abord de l'âme. C'est-à-dire l'âme, et il y a la vie. D'accord? Comme on a vu ensuite, c'est la volonté. La vie, c'est tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui nous entoure? Les belles choses de ce monde.
sont des choses que l'âme aime d'abord. D'accord? La chair, je prends un exemple. Un enfant va naître aujourd'hui. On le prend, on l'enferme dans une pièce. Sans qu'il ait vu une femme, tout ça, on l'enferme. Jusqu'à ses 18 ans. Mais tu vas voir qu'arrivé à l'adolescence, il va commencer à. Déjà dans l'enfance, là, il va commencer à vouloir se toucher, machin, tout, tout, tout. Alors qu'il n'a jamais vu les femmes, ni vu les pornos, ni personne, seul. Il va commencer à vouloir se faire plaisir. Ça, c'est l'âme. Parce que l'âme est affectée. La vie terrestre est affectée par le péché. Tu vois? Donc, l'âme, là, c'est comme c'est la source. Le corps physique, maintenant, c'est le contact. Tu vois? Donc, les deux travaillent ensemble. L'esprit, lui, est complètement mort, il souffre. Mais les deux, là, c'est des meilleurs amis. Ce sont les meilleurs amis. Mais là, quand la chair est en contact avec d'autres chairs, alors là, ils s'encouragent mutuellement. Hein, les deux, l'âme et la chair se congratulent. Hein, donc, s'encouragent dans le mal. La chair dit moi celle-là j'aime bien. Ah, l'âme dit moi pareil, alors on va aller tous ensemble, tous les deux, fonce, fonce, fonce. Vous voyez? Donc, mais la chair, l'âme a besoin de la chair pour assouvir ses besoins. La chair a besoin de l'âme pour être commandée, pour être dirigée un peu. L'âme, c'est la maîtresse, hein, c'est vraiment la reine. Hein. Voilà, la volonté, quoi. Je ferai telle chose, c'est l'âme. J'irai à tel endroit, je ferai ceci, ça c'est l'âme. Mais je ne peux pas aller jusqu'à là-bas sans toi, le corps. On va dire, la chair c'est la voiture, le véhicule. L'âme c'est le conducteur. D'accord? Tu rentres dans un véhicule, tu es mal intentionné. Tu veux tuer quelqu'un. Eh bien, tu rentres dans un véhicule, eh bien, tu diriges le véhicule vers l'autre, tu tues la personne. D'accord? Donc en fait, il y a, enfin, dans cette voiture, il y a deux conducteurs. Oui. Et l'esprit où? Voilà. Donc en fait, l'âme aurait dû laisser la place à l'esprit pour conduire la chair, le corps physique qui est avec le véhicule, le conduire vers Dieu. D'accord? Mais l'âme, c'est elle qui prend le volant, qui dirige, qui conduit le véhicule. Voilà. Et le véhicule peut parfois être cabossé. Voilà. Même si, on va dire, le véhicule n'a plus de roues, parce qu'il est vieux. Mais l'âme est toujours en activité. C'est vrai que vous avez des personnes âgées, de 90 ans, qui sont toujours, qui courent au téléphone, toujours. Même s'ils sont à un peu de retraite, mais parfois... L'âme ne vieillit pas. Amen. Ben voilà. Maintenant, avec. Je ne sais pas si tu as compris, David. Oui, si, c'est bon. Maintenant, avec tout ça, là. Lorsque David dit mon âme bénit l'éternel, ou lorsque le prêtre dit mon âme te loue, Seigneur, on sait que l'âme a des désirs contraires à ses esprits. Que veut-il dire? Enfin, il commande à son âme d'aimer Dieu ou ça? Ça, c'est l'esprit de David qui parlait. C'est une de la vie. Mm-hmm. C'est normal, parce que quand on adore Dieu, mm-hmm. hein, c'est avec un esprit et aussi au niveau de l'âme. Mm-hmm. Parce que quand tu pleures là, en priant, c'est l'âme qui pleure. Mm-hmm. Quand tu dis Seigneur, je t'aime, c'est l'âme. Mm-hmm. Les sentiments. Mais les deux sont d'accord là pour le coup. Comment? Les deux sont d'accord là pour adorer Dieu. Avec l'esprit, oui. Mm-hmm. Bien sûr. Bien sûr. En fait, un homme spirituel, pardon, c'est l'esprit qui dirige, qui a en tête l'âme et le corps. Le corps suit l'âme, l'âme suit l'esprit. Mais une personne charnelle, n'est-ce pas? C'est l'âme, donc l'esprit est mort. Et l'âme, c'est elle qui dirige maintenant le corps physique. Et pour les satanistes, l'âme dirige le corps physique et l'esprit humain. Donc, ce qui fait qu'il sort astralement du corps physique, l'esprit humain, l'âme est dedans pour commander. Voilà, tue telle personne, tue la sorcellerie. Est-ce que tu peux nous expliquer les termes crucifier la chair ou porter sa croix tous les jours? Mm-hmm.
Crucifier la chair, ça c'est d'abord le Seigneur qui l'a fait. Quand il est allé sur la croix, il a crucifié toutes les personnes sauvées en même temps. Et quand tu reçois Jésus, donc tu bénéficies de cette œuvre de la croix. Et ça, c'est qui est magnifique. Donc il te donne la force. Quand tu reçois l'Esprit, tu reçois maintenant l'Esprit de la résurrection. Donc cette force qui te permet de maintenir chaque jour ta chair hein, dans l'obéissance. C'est ça la croix, porter sa croix chaque jour. Donc c'est en méditant la parole, en priant, en obéissant la parole, eh bien, tu reçois la force de l'Esprit pour dire non aux exigences de la chair. Voilà. La mémoire se trouve où? C'est l'Esprit ou c'est l'âme? La mémoire, le souvenir, c'est l'Esprit ou c'est l'âme? Et ça c'est l'âme, c'est les sentiments, les émotions, donc c'est au niveau de l'âme. Voilà. Et le subconscient c'est quoi? L'Esprit. D'accord. Voilà. Parfois ça dépend du contexte en fait, à chaque fois. D'abord, il distingue le tu et moi, Dieu de toute ton âme, de ton cœur. Pourquoi il fait la distinction entre âme et cœur? Tu verras de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui. En fait, tu verras que, par exemple, il dit Shema Israël, donc Deutéronome 6, justement. L'éternel notre Dieu est un seul Dieu. Et tu le verras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. En fait, c'est des termes qui reviennent à chaque fois. Parce que Paul, en fait, on comprend que chez les Hébreux, souvent les choses étaient répétées pour que ça rentre. Paul dit dans Philippiens 3, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses car cela est salutaire pour vous. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que l'âme, donc, regarde, Yeshua a dit, en vérité, il se répète. Donc, l'âme, tu adoreras le Seigneur de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Pourtant, les pensées viennent du cœur ou de l'âme. Voilà. Donc, c'est une répétition que les Hébreux connaissaient, en fait, pour que ça rentre. Quand la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, on sait que l'âme est dans le sang. L'âme, c'est le sang. L'âme, c'est le sang. C'est la vie. Est-ce que vous pouvez expliquer? En fait, c'est un terme que les Hébreux utilisaient également pour parler de l'homme charnel, de tout ce qui vient de l'homme. Par exemple, dans Jean, chapitre 1er, verset 12, il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de vivre, enfin, les deux lesquels sont nés, nous, de la volonté de l'homme, de la volonté du sang, de la chair de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est la nouvelle naissance, ça n'a rien à voir avec, avec l'action humaine, avec l'œuvre humaine. N'est-ce pas? Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre, c'est une œuvre divine. Donc, c'est tout simplement pour montrer que le physique, là, le monde matériel, là, tout ce qui a trait au monde, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc, l'homme adamique. Voilà. Le physique du sang? Parce que l'âme est. Oui, en fait, il faut voir ça spirituellement par là. Donc, physiquement aussi, l'âme, et, c'est d'abord le sang physique. Hein, là, c'est-à-dire, on te vide de ton sang, tu meurs. Hein. Ça, c'est clair. Et donc, c'est là qu'on comprend que la vie, c'est le sang. Le sang, c'est la vie. Donc, la parole est vraie. Après, il y a l'homme spirituel. Donc, il y a le sang spirituel, il y a le cœur spirituel, il y a les yeux spirituels. Tu vois? C'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. Un petit témoignage en fait par rapport à cette semaine en fait parce que je crois que j'ai expérimenté les trois là. Pendant qu'on priait il y a deux jours là, quand j'ai dit que j'avais une vision que j'étais dans le ciel et que je prenais de la hauteur comme ça, en même temps je voyais qu'il y avait un serpent à l'intérieur de moi. Donc, du coup je me dis effectivement par l'esprit j'ai vu quelque chose qui était à l'intérieur de moi, donc voilà. Et pendant la délivrance et eh ben c'est sorti du corps, enfin j'ai senti dans le corps quoi. Donc ouais. C'est les trois, on a accès en fait à ce qui se passe dans notre corps par l'esprit. Donc effectivement, il y a vraiment cette possibilité de séparer les deux, comme dit la parole. C'est cette épée qui sépare l'âme et l'esprit. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Amen. Voilà. Ouais. Oui. Alors en fait, si je comprends bien, c'est l'esprit humain en fait, qui donne une éducation à l'âme. Si je comprends bien, en fait, plus on aura une communion avec le Seigneur. Plus l'esprit humain aura cette force, cette capacité de parler du Saint-Esprit, d'éduquer l'âme en fait, et on pourra conduire notre âme et notre corps en fait, dans les voies du Seigneur. Tout à fait. Le Saint-Esprit parle à ton esprit, lui donne des ordres, la parole, c'est au niveau de ton esprit, donne des ordres au niveau de l'esprit, et ensuite ça descend sur l'âme. Tu vois?
Et voilà, ça descend sur l'âme. Et à la conversion, à la conversion, c'est la parole touche l'âme. Brise l'âme. L'âme pleure. Pardonne-moi, tout ça là. Et le ciel est libéré. C'est ça la conversion. C'est l'âme qui est visée. Voilà. C'est l'âme règne. Et la parole vient, brise l'âme. C'est pour ça qu'on pleure souvent. En général. D'accord. Dieu nous aide. Je crois que vous avez été beaucoup encouragés pendant cette session.